Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Black Desert Online, ce 9ème épisode, soit l'avant-dernier tout simplement. Hein. Donc, je pense que le prochain sera une review, chers amis, une simple petite revue du départ. Welcome. J'ai perdu mon canasson. Écurie. Il est revenu. Il est revenu. Cool. Ah ben voilà, voilà une bonne nouvelle. Oui. Je veux qu'il soit bleu ce cheval. Je veux qu'il soit rouge sans doré. Bref, je veux pas qu'il soit moche. Apparence spéciale, apparence du. D'accord. Deux, apparence niveau 1, apparence spéciale, d'accord. C'est une licorne plus qu'un cheval. Enfin, bref. Voilà, bon, il est à l'intérieur, c'est parfait. Donc il est sauf et il peut nous donner un autre cheval. Bah écoute, pour l'instant on en a déjà deux. Hein. Enfin, j'ai un canasson et un cheval. Bonjour. Welcome to Heidel. Ami venu de Glitch. Enrico. Enrico! What brings you here? So you've really moved up in the world. You've changed a lot too. Anyway, put that down for a minute while we chat. Bref, une relation normale. It's drinking water for Glitch. We're bringing it in from Heidel. I've heard the water's contaminated. I bet it's the mudsters. Everything's gone to hell since Chief Donut disappeared. Comment apporter une nouvelle région, le fait de donner une raison au personnage de se démener pour la rejoindre? Ah, well, it's hard enough keeping the peace here in Heidel. I've got my hands full as it is. Anyway, the least I can do is speak with Instructor Krughorn. Ok. En fait, moi, j'ai juste espionné les gens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Niveau quéquette, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire dans le coin? Parce que là, dis donc, il y a un paquet de choses. Palladium, c'est rigolo, ça. Dans une autre guilde, je m'appelle Palladium. Capitaine de la Garde. Bah, écoutez, on va lui reparler. C'est apparemment faux de lui reparler. Ah, bonjour! J'ai l'impression qu'on laisse sur quelqu'un sur lequel on peut facilement changer, j'imagine. Tu as l'air considérablement plus fiable qu'à notre dernière rencontre. D'accord, ok, merci, je crois. Visite de Glitch. Bonjour. Tu es déjà allé à Glitch? C'est ma ville natale, mais c'est loin d'être un paradis. C'est plutôt un théâtre de catastrophe. La ville entière a failli disparaître une fois. Heureusement, le capitaine César a été assigné à la protection de la ville. Ça me rassure, mais je ne peux pas m'empêcher de me faire du mauvais sang. Si ce n'est pas trop demandé, tu pourrais faire un saut à Glitch. Le capitaine César pourrait t'expliquer la situation. Bah, oui, je veux bien être ton larbin aussi si tu veux. Hein. As-tu besoin que je te rapporte du PQ de Glitch? Oui, non, oui, je sais pas, tu vas me dire. Là, c'est un petit peu trop, hein, si je puis dire. On y va. Emmène-moi voir le mec, là, qu'on a déjà vu 2-3 fois, je crois. C'est pas grave. Je viens de pénétrer à l'intérieur d'un cheval 2 fois, de 2 chevaux différents. Une catastrophe. Mais bon, ce n'est pas grave. Ok, donc apprendre des compétences. Voilà, salut. Not under any excellent. Les effets sont des créatures particulièrement agressives, mais tu as réussi. Et 2 visages de Calphéon. D'accord. Jamais nous ne nous soumettrons à Calphéon. Bientôt, nous reconquérerons Serendia. Qui pourrait endurer l'humiliation d'être dépossédé de sa terre natale? Ah, ces Calphéoniens, de vulgaires sauvages, tu verras. Nous laverons cet affront plutôt que tu ne l'imagines. Take up your sword if you have the will to continue living. Et donc, que suis-je censé faire? Ai-je une technique que je suis censé apprendre, peut-être? Ah non? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, fallait juste que je lui parle! Putain! Bon. Pardon, un petit ok. Enfin, un petit rototo plutôt. Vaincre les épouvantails, vaincre les guetteurs. D'accord. Et là? Là, on rencontre. Mais y'a pas un genre un boss qu'il faut que j'aille buter quelque part? Pas loin. Ah, c'est là? Oh merde. Ça fait un petit bout de route. Bon, bah, on va aller se faire le boss pour cet épisode. Non, ça va être une bonne idée. Hop, allez, poussez-vous, je passe. Ah, c'est vrai, ah oui, je suis surchargé en fait. Oh, quel verre.
Ok. Est-ce que je peux faire ça? Je sais que là il y en a peut-être pour des millions et des millions, c'est pas grave. Ok. Ok, et là je récupère un petit peu de poids. Ouh, c'est pas trop dur. Non, honnêtement, là faudrait vraiment que je me trouve une banque. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Apporte-moi mon canasson. Welcome. Hop, voilà, sortir. Bonjour canasson. C'est pas le mien. Où est mon canasson? Merde. Surrender is full of excellent horses. Vous devez d'abord récupérer, récupérer. Coûte 7000 pièces? Ah putain, c'est parce que j'ai laissé sur place, mais en fait j'ai pas le droit de le laisser. C'est quoi le truc? C'est quoi le beans? Je comprends pas le principe là. Là j'ai pas compris parce que je suis allé le chercher mais il était plus là. Donc enfin qu'on m'explique. J'ai fallu que je passe. Parce que j'ai pas mis le frein de parking, c'est ça? Non, je. Ah, qu'on m'explique honnêtement là parce que. Moi j'ai vraiment besoin qu'on m'explique. Bien accéléré. Ok. Pas bon. Ok, il est parti, c'est déjà ça. Ouais, là j'ai vraiment besoin qu'on m'explique pour les canassons parce que là ça va pas. Enfin bon, vous me direz, c'est le dernier épisode de, vraiment de. De comment de gameplay, je pense. Le prochain, ce sera vraiment que de la review. On verra bien. On verra bien. Peut-être. C'est ce que je pense. On verra. Par contre, s'il y a 10 km de. Bon, si c'est trop long, c'est pas la peine non plus. Hein. Bon, bah, ellipse, chers amis. Là, ça va être trop long. Re, chers amis. Donc voilà, apparemment, là, elle est au repos. J'ai planté un piton et tout ça. Bon, bref. Tout un bordel. Alors, normalement, ça devrait être bon. Ok, la suite. Je vais ici. Apparemment, faut que j'invoque l'esprit occulte. Waouh. Bah là, il a son truc. Ok. S'occuper des trophées encombrants. Attends, ces trucs ne sont pas trop lourds. Pourquoi vouloir les trimballer partout? Va voir quelqu'un qui spécialise dans ce type d'objets. Ah là là, que ferais-tu sans moi? Je vois pas toute cette histoire. Ok, bon, on y est. On est sur le point qu'il faut. Apparemment, il y a un parchemin, peau de cochon. Une lettre de remerciement, lettre de récompense. Gain d'XP. Bah alors. Ah, voilà, c'est ça. Ok, c'est parti. Sors de ton trou, vide créature. Ok. Oh, t'es rapide pour le coup. Oh, tu es vilain, dis donc. Rapide. Aïe, ça va pas le faire. Là, ça aurait été des complexités sans pareil. Je suis extrêmement déçu. Soyons honnêtes. C'est la déception. Mon canasson est ici, c'est parfait. Écoutez, on va remonter. Hein. Enfin, on appelle le truc et on va remonter ensuite. Oh. Il aurait dû faire un adversaire de sa taille, mais le de ça, je pense que tu t'améliores plus vite que prévu. N'oublie pas que j'ai des mots aussi, d'accord? Sur lambda, je m'en moque un petit peu à vrai dire. Ce qui était le plus dans l'histoire, c'était pour moi. Ceci. Voilà, parfait. Ok, on remonte. Parking, vous voyez, il était en parking. Putain, c'est ça, j'ai vraiment oublié le frein de parking en fait. Littéralement. Alors, sur le chemin de. Pour venir ici, j'ai vu quelque chose. J'ai vu un ami à moi. Que je prenne une quête. Enfin, un ami à moi, un inconnu qui voulait que je prenne une quête. Futur ami. Wow, bah, il est passé niveau 2, génial. Niveau supérieur en dressage. Yo. Je descends. Bonjour. Where are you from? La ferme Lynch. Elle est en petit état en ce moment. Mais elle devrait pouvoir s'en remettre. Les effrites à la ferme. J'ai un projet fou. Cette ferme m'appartiendra si j'arrive à la débarrasser des effrites. D'éliminer les effrites pour moi, bah écoute,
I'd take over that farm if not for the imps. Ça se passe où? Ça se passe là-bas. On y va. J'y vais. Le frein de parking. C'est bon, apparemment le frein de parking gaming. Alors, je crois que c'était F2. Non, ça c'est pas ça, donc c'était F1. Déjà au repos, parfait. Je préfère m'en assurer. Vous comprendrez que je ne vais pas payer 7000 tout le temps. Bonjour. Faut que j'en élimine 20. Oh. C'est sûr le nombre. Allez, bah venez tous. Fais ces choses vite et bien, s'il vous plaît. Merci. Hop là. C'est fait aussi. Ça aussi. Et normalement, il est mort maintenant. Ça c'est fait. C'est très bien sorti. On en fait encore plus. Vraiment, j'ai été repéré. Yo les filles, yo les filles. Je vous prie, venez. Hop. Yo. Hop. Bon bah là il y a de quoi récupérer au sol. Boucher. Hop, 95 points quand même. Lui ne compte pas. Lui va compter. Hop. Dommage, en deux coups il était mort. Oh d'accord, oui je viens de trouver la ferme en fait. Ok. On m'attend les frites de l'hôtel. Ah, bien sûr, pour l'hôtel. Un petit peu gros pour que je vienne les prendre au cac. Alors. Boum. Essayez. Ah oui d'accord, oui c'est bon, je me rappelle. Je regardais les... pas les combos mais presque en fait. Ah, voilà l'homme que je recherche. Bonjour. Hop, ce qui est accompli, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors maintenant on a plus qu'à retourner la range, je crois que... Encore oublié où est-ce que je l'ai mis. Si, à côté du bonhomme, c'est bon. C'est bon, c'est bon, ça c'est presque résolu. Bien sûr, s'il veut bien monter. Merde. Oh non. Mais non. Le mec s'est barré après avoir tué mon cheval, je suis sûr. Putain. Salaud! Salaud! Pourriture de rebelle, il a tué mon cheval! Merde! Ah, c'est chiant! Ça, c'est chiant! Bon, on a vu de courir. Pas comme s'il allait couper dans la bonne direction en plus. Oh là là, puis il flotte.
Ah, il a tué mon cheval, quoi. Je l'ai garé près de lui, ce con s'est barré. Non, mais là, ça me met hors de moi, chers amis. Ah bah vas-y, oui, voilà. En réponse à ma colère, le temps s'est mis à l'orage. Génial. C'est dégueulasse. Il me doit 7000 pièces. Je l'annonce. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Violent. Ah, on m'a dit qu'il y avait des équipements sympas. Mais non, viens, va pas. Hop. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi mon énergie regrimpe pas? What the... What? Ça y est, réaction! Ah, il est... En fait, il est beaucoup plus gros aussi, mais j'ai pas marqué, ça l'est trop. Boum! Ça y est, on l'a eu, le titre sophistiqué. Qu'est-ce qu'il avait sur lui? Une pauvre hache que je ne peux pas utiliser. Une peau de loup et des pièces. Ah bah il m'a... Je vais prendre tes pièces, voilà, comme ça. Canasson. Enfin, pas canasson, mais du coup c'est... Mais pourquoi il est pas là? Mais t'es où? Pas là! Mais t'es pas là! Mais t'es où? Pas là! Putain, il est pas là. J'ai une quête, je sais pas comment je la termine. C'est cool. Je suis où? Où suis-je? Qui suis-je? Dans quelle étagère? Dans des ruines? What? Oh lolo! C'est quoi ce bordel? Attendez. Mais étant donné que les ruines de la ferme de l'île sont en train de pas pouvoir s'apprendre. Je suis au bon endroit. Où est-il? Je vois pas. Ce mec m'a tué mon cheval et il s'enfuit. Putain. Espèce de zoophile. J'ai dû lui faire des choses avant. J'en suis persuadé. Ah, c'est bête. Ça serait bête de finir sur un rage kit. Ah. Puis j'ai mort tapé toute la route à pied. Oh là 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 là. Bah ellipse, c'est possible que ce soit juste pour la conclusion derrière, suivant comment je serai quand tu seras passé les 10 minutes là qu'il va y avoir de marche. Salut, à tout de suite. Ok, j'ai découvert un truc qui est par là. Sur la map, en fait, j'ai vu un truc bizarre sur la map, du coup je me suis dit bon bah allez par là. Bonjour, tu es un honnête travailleur, ok, deux honnêtes travailleurs. Ok. En fait, sur la map, vous voyez, on va voir ensemble. On voit une espèce de tente, du coup ça m'a surpris, tiens je vais aller voir. Et finalement c'est une carrière. Remarque, ça m'étonnerait pas hein, s'il y a une ville avoisinante, ils ont besoin de pierres en grosse quantité. Oh bonjour. Ok bonjour. Les douilles n'ont pas aucune précédente de nos jours, ça serait bien mieux avec Gemcas. Ok. Ah bah... Honnêtement, j'ai envie de mettre fin à l'épisode là. Honnêtement, hein, je vous le dis tout de suite là parce que là, entre le cheval, le mec qui se barre, la quête qui barre pas, enfin qui se termine pas du coup, et la quête qui ne veut pas commencer là ici, j'ai l'impression que le sort est contre moi. Ça me fait mal. Donc je pense que je vais couper là pour BDO, puis je ferai ma review dans le prochain épisode. Je vais la travailler un petit peu avant, puis je la ferai avec vous.
Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis désolé qu'elle soit aussi courte, hein. Normalement elle est pas très longue, mais bon, là vous avez bien pu voir que le sort s'acharne contre moi, ce n'est pas la peine de le forcer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour ton aventure, salut les gens, et pour ceux qui sont restés jusque là, normalement le prochain jeu sera donc Quantum Break, voilà, salut.